L'anecdote du ski ? Bah la chute du mammouth. Attendez pour la vidéo. Attention ! Laissez-moi vous raconter l'histoire de 7 copains qui sont partis en ce janvier 2023 à La Clusaz. Ils y ont passé de merveilleux moments. Pour certains, c'était leur première fois à la montagne. Je vous laisse découvrir tout ça. Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey? I could drink a fontaine. Maybe I'm still hungry since this morning. I need like cheese and forget. Anecdote du ski, c'est quand je suis tombé sur le premier tire-fesse et que Momo était derrière et il a dû le lâcher, il m'est arrivé en pleine figure. Je vais vous parler de Joe le chasse-neige. Il faut dire que pour ce bel étalon, c'était sa première saison au ski. Et cette année, il en a bouffé de la neige. Il faut dire qu'il en a pris des gamelles. Mais il n'a pas froid aux yeux, il a su se relever à chaque fois. En fin de semaine, il a pu faire les pistes vertes et même bleues du domaine de La Clusaz, qui n'est pourtant pas si facile. Pour notre cher Joe, le fromage est important. Tu peux tomber mon forfait dans la neige. Et oui, notre cher ami Hugo a fait tomber son forfait depuis le télésiège. Donc on a dû redescendre la piste, s'arrêter au bord de la poudreuse et il a enfin réussi à retrouver son forfait. Vous pouvez voir que pour s'en sortir de là, ça n'a pas été si facile. Bon, après on parle de Hugo. Hugo adore la neige. Que ce soit pour skier à fond les ballons dessus, ou juste pour se la bouffer en pleine face, comme vous allez pouvoir l'observer. Hugo la cascade, c'est aussi des cascades. Momo, décris ta brosse à dents à quoi elle ressemble. Eh ben... Elle serait pas verte et blanche par hasard? Bah si, comme la mienne. Ah, c'est un shooter de Jenny Pierre à l'intérieur. Ouais, mais elle y va, hein. Yeah.
piste noire. Bah, notre première piste noire, c'était assez chaotique. On a mis peut-être 2 heures à la faire et c'était très traumatisant. C'était Guy Perilla en bleu, c'est ça? Oui, le deuxième jour. Le premier jour de ski même. Ouais. Tout comme Joe, le chasseur de neige, pour Clarisse, la téméraire, Momo, le boulet de canon et Clem, la rideuse, c'était leur toute première fois à la montagne. Le début de saison n'a pas été facile, mais de jour en jour, elles ont su progresser, et en fin de semaine, elles maîtrisaient même le ski en parallèle. Je vous montre tout ça. La piste est pas assez grande pour toi, Momo! Ouais, mais elle y va, hein. Oh, ça force sur les cuisses, ton dos. Je te suis, ouais. Mais Momo, t'es parti trop vite! On suit ma mimi! Regardez ça, comment ça skie bien! Quel est ton meilleur souvenir des vacances? Moi je pense que c'est pour un pour combien que Jonathan a perdu. Il a dû mettre ses fesses dans l'eau glacée. Et oui, après être allé au restaurant, on est allé dans un bar profiter du billard, des fléchettes et de la bière. Et sur le retour, dans le village de la Clusa, on a trouvé une petite fontaine et on a proposé à Joe, qui a accepté volontiers, de mettre ses fesses dans l'eau. Oui, bah alors, il faut que je raconte une petite anecdote. Mon anecdote, c'est très simple. C'est dernière journée. Je pars avec Momo, on va c'est comment, Manigo, il me semble, Manigo. Beauregard, ça doit être Beauregard. On part à Beauregard, et du coup, on fait une petite matinée de skate tranquille. Et après, au bout d'un moment, je dis à Morgane, allez, vas-y, on va faire le skatepark, là, c'est sympa, le snowpark, le snow, on descend tranquille, la petite bosse, pouf, pouf, comme ça, là. Et on va faire, ouais, bon, vas-y, on y va, on essaye. Bon, moi, je descends, je fais mon snowpark, je l'attends en bas, sauf qu'en fait, ce jour-là, il y avait beaucoup de brouillard. Il faut mettre le contexte aussi, beaucoup de brouillard. Donc, du coup, je vois pas Morgane. Puis d'un coup, je vois pas. Et d'un coup, j'entends. Il y a une personne qui crie dans les bosses. Et là, je dis, ça c'est Momo. Et je vois qui est-ce que je vois débarquer. Chut. Momo qui arrive. Elle avait crié pendant tout le parcours. Mais là, c'est très drôle, très drôle. Il y a même les gens qui étaient à côté de moi qui riaient. Bon, Max, on sait que tu es libre, mais au lieu de te foutre de la gueule des autres, regarde-toi,
qui nous a bien fait rire aussi. Bah alors Max, faut rester debout hein. En vrai, je plaisante, tu te démerdais pas si mal avec ta board. Regarde-moi ça comme ça, Ride. Mais en fin de semaine, tu as préféré troquer la planche contre les skis, sur lesquels tu étais un peu plus à l'aise. Bah, je pense tous les moments qu'on a passé ensemble. C'était du pur bonheur, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. Yeah. C'est du pur bonheur. Ouais, je pense que c'est le resto. J'aurais dit resto. On était tous ensemble, on a bien mangé, on a bien bu. Puis bah, tous les moments qu'on a passé au ski ensemble. Voilà. Allez, c'est dans la boîte.